Bon, lorsque vous avez cliqué sur mp3.angambatu.com, c'est censé s'ouvrir automatiquement sur le navigateur par défaut de votre téléphone. Là, vous arrivez sur cette page-ci. Et ici, vous avez le login, éditeur ou artiste, mot de passe. Ça, c'est pour ceux qui ont déjà été sur ce site et qui ont pu créer leur compte. Donc, si vous n'avez pas encore créé un compte sur ce site, venez tout simplement sur le bouton vert Créer nouveau compte. D'accord? Bon, si vous avez déjà créé un compte, vous entrez là, tout hasard, vous entrez votre login et votre mot de passe. Et voilà, vous voyez la connexion se fait, vous allez automatiquement ou en cliquant sur se connecter. Bon, maintenant, une fois que vous êtes connecté, vous avez en haut déjà le login Angambatu, votre photo de profil, les messages d'alerte s'il y en a, le bouton pour se déconnecter. En dessous, vous avez votre nom qui a été enregistré. Vous êtes connecté à Marché du Showbiz comme éditeur. Et on vous rappelle votre login parce que le mot de passe, vous devriez le connaître. Bon, maintenant, vous avez là une série de menus. On va essayer de les parcourir pour essayer de les comprendre. Dans le menu Vendre un MP3, en cliquant sur ce menu, en principe, je vais cliquer là. En cliquant sur ce menu, c'est ça, vous arrivez sur cette page, vous déroulez vers le bas et là, vous pourrez mettre vos musiques. Ici, là, vous allez choisir les rythmes de vos musiques. Plus bas, vous allez choisir le prix de vos musiques. Donc, voilà. Lorsque vous cliquez sur Devis pour vos projets, d'accord, vous avez là Devis pour vos projets. Ici, vous pourrez mettre le nom du label, ainsi de suite, et en fonction du prix soit de la musique que vous aurez réalisée ou bien de la vidéo que vous aurez faite, vous allez entrer le montant et vous cliquez sur Valider. Ça va vous afficher un état avec des propositions pour faire la promotion de ce projet que vous avez. Sur le bouton Réclamer un paiement, c'est lorsque vous avez déjà fait des ventes et vous voulez donc percevoir votre dû. Vous cliquez simplement sur Réclamer un paiement. Bon, là, vous voyez le message ci-dessous qui est sorti, l'alerte. On dit les paiements sont possibles pour des montants de minimum 1000 francs CFA. Donc, il faudrait déjà avoir amassé minimum 1000 francs CFA pour pouvoir réclamer un paiement. C'est évident, nous n'allons pas payer 500, 150, quelqu'un. Il faut avoir au moins 1000 francs et là, vous pouvez réclamer le paiement. Si on clique sur Achat, oui, donc dans les achats là, vous pouvez faire des achats directement sur notre plateforme et payer par Orange Monnaie à distance. Là, par exemple, dans le menu Agenda que vous allez voir là, nous avons des événements que nous organisons souvent et par le menu Agenda, l'artiste peut précommander des tickets lorsqu'il est programmé. Il peut précommander des tickets en passant par le menu Agenda, il paye et nous lui remettons ces tickets qu'il peut donner comme invitation à ses fans. Vous avez en dessous de Agenda le menu Distribution digitale de musique. Là, c'est si vous voulez avoir vos musiques distribuées sur toutes les plateformes de streaming, comme vous pouvez voir là, nous le faisons également sur ça couvre plus de 240 pays. Donc, vous pourrez cliquer plutôt sur ce menu. Marketing, c'est si vous avez besoin d'action marketing pour vos projets. Service Facebook, si vous avez besoin de sponsoriser vos contenus sur Facebook. Service YouTube, sponsoriser YouTube. Si vous avez besoin de sponsoriser vos vidéos dans YouTube, de telle sorte que lorsque les gens se connectent, que vos vidéos soient mises en avant, incitant ainsi les gens à cliquer dessus. Ou encore, si vous avez besoin de plus d'abonnés sur votre chaîne YouTube. Studio d'enregistrement. Si vous cherchez un studio d'enregistrement où travailler, nous disposons actuellement de deux studios d'enregistrement dans la ville de Yaoundé. Et hormis ça, nous pouvons aussi travailler à distance. Vous pouvez être dans une autre ville, mais nous travaillons. Donc là-bas, vous verrez nos produits de studio d'enregistrement. Maintenant, sur vente de MP3, il faut noter que nous vendons en partenariat avec Orange et MTN Mobile Money.
Donc là, pour mettre un MP3 en vente, il faut d'abord passer par ce menu si vous allez acheter un code de vente qui ne coûte que 1000 francs et ainsi de suite. Donc lorsque vous choisissez le service que vous souhaitez acheter, vous cliquez après sur valider l'achat, le bouton vert. Vous cliquez sur valider l'achat et vous allez simplement suivre les étapes jusqu'à ce que vous aurez fait le paiement par votre compte Orange Money et MTN Mobile Money. Par exemple, si je clique sur mes ventes, d'accord, en cliquant sur mes ventes, je peux voir ici que cet artiste, tel qu'on le voit ici en dessous, voilà, Chimère, il a eu à commander Studio d'enregistrement Nos Origines, c'est le titre de la musique. Il a passé une commande de 25 500 et il a eu à faire un paiement de 25 500 dont le solde est à zéro. Plus bas, il peut, à partir de ces boutons-ci, imprimer sa facture, imprimer son reçu ou encore supprimer carrément cette commande si c'est une commande qu'il a passée et qu'il ne veut plus suivre. Mais il ne peut supprimer la commande que lorsqu'il n'a pas fait de paiement, parce que vous pouvez passer une commande et voilà, c'était peut-être juste pour tester. Là, vous pouvez supprimer.